Captation, erreur d'identité ou fibre de pote. Ah ouais. Ah la vache. En vrai, c'est fantastique. Incroyable. Il y a en gros un mec et son petit frère qui passent genre le week-end de la Toussaint dans une maison familiale à la campagne, genre des grands-parents qui sont décédés il y a pas très longtemps. La veille dans ce village, il y a eu un événement sur la place publique d'un que ce soit un criminel ou j'ai marqué pourquoi pas comme idée genre un acteur porno en tournée, genre un escort boy avec sa caravane. Ça commence station essence que engueulade. Ce serait un mec qui a perdu ses papiers, il est un peu solo, du coup. Aucun moyen de confirmer son identité, tu vois. Du coup, son seul plan, ce serait de kidnapper quelqu'un de la mairie. Ce qui est ouf d'ailleurs, c'est que genre, on est sombre. C'est un kidnapping. L'ambiance est peut-être un peu stressante au début, ouais. Enfin, tu vois. Ça remonte. Tout le monde, la meuf commençait à aller mieux, le mec s'est détendu, il a parlé de ses problèmes. Après, hein. Sauf qu'on a une chute où genre, il va retomber le gars. Oui, il vient de se faire licencier quoi. On choisira après, mais ouais. C'est dans le mood. Ouais. Né à... Où est-ce qu'il est né? Pour qu'on comprenne quand même, juste avec l'image, que... Que c'est sa maison, ouais. Il change d'endroit. Il voit pas des émotions forcément très visibles de stress, oui. De... Oui. Plus dans un truc de regard, de respiration, de... Genre ça se mesure un peu, tu vois. Ouais, okay. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive, quoi. Ouais, c'est et ça. Et il le détache parce qu'il faut pas qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui s'est genre, on t'a mis une résolution du problème. Non, il se passe autre chose. Ouais. On met de côté, on gère la situation, on reprend après. Genre moi j'ai pas je pense qu'en vrai moi j'ai pas les chiffres école en bas et mairie en haut. Je refais les réglages pour que ça soit tout prêt quoi. Full HD, on a 100. J'ai un 100 FPS de près si on a besoin de ralenti. Faut pousser. Ouais, pousse derrière. Oh, je peux pas tirer plus, je suis coincé entre là. Allez, à 1, ok, c'est bon, merci. Parce que là, déjà on est allé à la grange, on a appelé gentiment une dame, les êtres humains sont incroyables. On est allé à la grange, et la meuf, on voulait juste qu'elle nous ouvre la porte, elle a été chef d'éco pendant 30 minutes, elle nous a aidé à prendre plein de trucs qu'il faut, elle nous a aidé à trouver des fringues, des trucs, tout ce qu'il faut. Et dans le court-métrage, il y a la contrainte qu'il faut qu'on voit vraiment explicitement un drapeau. On voulait tourner des plans devant la mairie, les drapeaux ne sont pas là, on appelle la mairie. La mairie sort les drapeaux pour nous. Bah du coup là, on n'a pas grand chose à faire. Hein. En gros là, c'est plan d'intro, on voit la mairie, ça se rapproche doucement. Léo de face. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, Jean? On est en train de penser le premier plan. Le premier plan, c'est un plan important. Donc je sais pas ce qu'on va faire comme plan. Du coup, ouais. On le suit. Le plan de bonjour. Bah vas-y, attaquez. Hein. C'est le même objet qui se voit. Genre, tu sais, une fonction hyper importante au cinéma. Faut écrire sur des ardoises le nom du film. Là, il s'appelle film. T'as une belle écriture en plus. Faut des grandes qualités de graphisme. Ça va. Attends, mais il était bloqué comme ça hier, le... Ouais, voilà. Ok. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une cordelette qui le bloquait aussi là, ça déglingue. Action. Merde. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment pris sous la gorge quoi. Oh, pardon, excuse-moi. Ça va? Ça va. Non, mais faut que je fasse gaffe, faut que je te prenne autrement parce que tu veux vraiment la tuer. Ouais. Il est 14h. Sachant que après quand on partira d'ici, on aura en fait il faudra aller à la bioderie
faire des petits plans sur la route de passage du convoi. De drone peut-être même. Et après on tourne à la... et après c'est les passages de marche dans la forêt et la scène de fin. En fait c'est là le plus gros il est à faire là. Pas le numéro. Plan final. On improvise. Moi j'ai le numéro, je crois que c'est ouais, ça. Et ouais, là on enchaîne. Après, et on va enchaîner. Quitte à skipper peut-être une partie clippée ou une partie du. Faut avancer. Trop bien, genre Léo en même temps il pense les plans larges qu'il y aura après. Mmh. Et juste après on fera le contre-champ, tu vois, de mon regard quoi vers. Mais qui a un suspens, c'est pas très dedans, long, mais. Dedans. Non, dedans, de ici en regardant dans la chambre. C'est toi que tu filmes la pizza? Ouais. Moi je mange le bout de sandwich qu'on m'a laissé gentiment. T'as eu quoi, une moitié? Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça au fond là-bas. Quelqu'un qui en voulait plus, probablement. Horrible. Par contre, c'est le sandwich le plus vide que j'ai jamais vu. Genre, et ça, c'est vendu. Hein. Et c'est pas forcément mon regard, donc c'était juste le fixe de là, c'est suffit. Hein. Ouais, ouais. Et après, c'est vraiment après, genre. Je fais un chassé sur la droite, moi, de toute façon. Ouais, c'est ça. Parce que là, si je suis comme ça, par contre, tu sais, je vois déjà par la fente. Alors, c'est un peu relou. Ouais, là c'est bien. Okay. Très bien même. Là on est sur une scène clé, on est sur la sortie de Julien après la première révélation de son visage. Il est paniqué, il sait pas lui-même ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. C'est Léo Gestel, hein, je crois. Oui, mais justement. Pourquoi ? Erreur d'identité. Ah oui. T'as suivi le genre ou t'étais là hier soir, putain ? T'étais là hier soir ? Bah, je me suis couché plus tôt que vous, les gars. Mais il me faut cette putain de carte d'identité, ok ? D'accord. En courant et en fait non ils se suivent, ok. Ouais. Ça peut être très joli ça. Ouais. Juste en fait, si ouais, au moment où tu ouvres la porte, en tout cas ça peut être le film filmé avec l'ombre, le sol filmé avec l'ombre, et après ouais on va passer sur okay. Ça par exemple, et puis la descente des deux. C'est moyen. Je peux pas la régler. Ça part en projet Blair Witch. Ah. Tu m'es rentré dans l'oreille. Ah. Ouais, on peut pas le traverser. Oui. On prendra tout de suite. Oh là. Ah si, Léon, on va parler. Léon, parle. Tu vois. Okay. Juste, Antoine, je te l'enlève. On va s'en servir. Là, toi, sans que ce soit pas d'un coup, c'est juste qu'il y a une tension dans ton regard. Allez. Bien joué. Je vais faire des trucs. Ouais. Vas-y, mec, bien joué. Tu peux éteindre le feu, les gars? Oh la vache, bravo les acteurs, acteurs studio. Un tournage, fesh. Ah ouais, bien joué, bravo. Fin de tournage. Allez. Ah oh, tu fais, ah ouais, c'est le making of. Respect à toi, mec. J'aime retour d'expérience en tant que chasseur de champignons. Tâche très compliquée. Le top 2 des blanquettes de toute ma vie. Elle est incroyable. Une blanquette de Monsieur Arnaud Robin. Je suis pas sûr, franchement. Je pensais ce. Est-ce que tu te sens comme la grand-mère qui en a menti? Mais je pourrais m'agacer. Tu forces à manger, tu sais. C'est ça. Il se passe des trucs, Alex. Oh merde. Il reste 52 minutes, on n'a plus qu'à assembler le son du film qui n'est pas dans le film encore, le film est totalement muet, on assemble les deux, on regarde une fois que tout va bien, on fait l'export final, on l'upload sur le site. Parce que là, ouais, Léo il est encore sur le son, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais putain d'exploit en vrai, déjà je pensais, j'étais pas sûr qu'on arriver jusqu'à ce moment là, tu vois, et on a un film quoi. On a fait un truc dont on est content. On a fait un truc de ouf. Et dans les temps. Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'as pas un truc où tu peux vérifier le calage déjà? Si. Genre un gros claque, comme ça s'est fait avant de me devancer.
Qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Luc ? C'est vers la gauche, du coup, qu'il faut aller. Je vais arrêter de me branler la nuit du dimanche, parce que moi j'ai tout donné hier. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, là, ils ont pas arrêté pour la post-prod et le montage et tout. Et je débarque au moment du premier visionnage final. Avec son. Parce que son image raccordée. Version finale, un peu, en quelque sorte. C'est pas facile. Première version finale. C'est la première fois que tu vois, il n'y a pas le dialogue du début. Ouais. Si, je renverse la bière sur l'ordi. On en est où là, Alex ? Tant mieux, c'est bien, non ? Et justement, en fait, c'est que. Il reste 3 minutes d'upload et il reste 5 minutes 50 de temps. C'est pour la mélancolie, pour le silence qu'on t'a proposé hier. C'est toute la journée qui s'en fait.